Oyez, oyez, braves gens. De tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude de traditions et de coutumes que vous observez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Voir une tradition qui nous permet d'être celui qu'on n'est pas, et c'est le carnaval. De nos jours, vous pratiquez cette coutume qui consiste à se déguiser durant la période du carnaval. Par exemple, cette année pour le carnaval, j'ai voulu me déguiser en géant vert. Bon, pour le vert, ça allait. Mais en ce qui concerne le géant, c'était plutôt petit pois vert. Mais d'où vient cette tradition? Cette tradition nous vient de l'Antiquité. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Babylone consacre 5 jours de festivité en l'honneur de la déesse Anaïtis, pour célébrer le renouveau de la nature. Durant cette période, l'ordre établi est inversé. Les esclaves prenaient la place de leur maître. Les Grecs, eux, célèbrent le dieu de la fécondité, du vin et de la végétation, Dionysos. Déjà à cette époque, des défilés sont de mise, ainsi que des représentations théâtrales festives. Rome organise les Saturnales, de très grandes festivités marquées par l'inversion en l'honneur du dieu de l'agriculture et du temps Saturne. C'était l'occasion de profiter de mascarades à travers toute la ville et durant plusieurs jours. Au Moyen Âge, plus exactement au 8e siècle, l'Église, qui était opposée à cette fête païenne, se l'approprie, offrant ainsi un temps de relâchement avant le carême, temps nécessaire à cette époque pour éviter tout mouvement de révolte. Voilà d'où vient cette tradition. Le carnaval, c'est une période durant laquelle on peut devenir qui on veut. Les petits peuvent devenir les grands. Les pauvres peuvent devenir les riches. Les laids peuvent devenir les beaux. Les promesses électorales peuvent devenir réalité. Non, là, il faut quand même pas trop exagérer. Allez, au revoir et à bientôt.